Impossible de parler d'une agriculture moderne sans parler de l'ITRAD, Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement. Ce qui justifie l'arrêt de la ministre du Développement agricole, Madame Kamougene Tenayasum, à Abébéja, au Centre régional de recherche agronomique pour la zone soudanienne. Nous avons des points d'appui à la recherche dans le Logone occidental, à Delhi. Nous avons un point d'appui à la recherche dans la Tangilée, à Laï et Boumou. Nous avons deux points d'appui à la recherche dans le Mayo-Kébi Est, à Kologo et à Yué, dans le Fianga. Et aussi, nous avons un point d'appui dans le Logone oriental, à Bekao. Nous avons aussi un autre point d'appui qui est dans le Moyen Chari, à Moussafoyo. Le travail abattu par les chercheurs du centre de Bébédia est impressionnant, quand bien même le retard de pluie cette année suscite une petite inquiétude chez le chef du centre. Contrairement à l'année passée où on a eu les deux premières semaines d'août sans pluie, donc maintenant le début de la saison là, tend à être de plus en plus imprévisible. Nous espérons que ça va déborder légèrement sur octobre. Curieuse de savoir davantage comment se fait le travail de recherche dans ce centre, la ministre Denis Assoum et ses collaborateurs sont obligés de passer plus d'une heure de marche dans tous les compartiments pour voir comment se font les croisements des espèces pour produire les semences de qualité. Et c'est avec une grande satisfaction que la ministre en charge de l'agriculture et sa délégation quittent le centre pour rallier Doba pour s'enquérir de la situation de la campagne agricole dans la province du Logone oriental.